Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Toonity, Toony. Tini nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble, ils apprennent tout. Tout, 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 Toony. Les Titini. Noël. Nous sommes début décembre et Tini attend avec impatience Noël. Maman, quand est-ce qu'il arrive le Père Noël ? Pas tout de suite, ma chérie. C'est long. Tu crois que je vais avoir beaucoup de cadeaux ? Si tu as été bien sage cette année, je pense que oui. Il n'y a pas de raison. Veux-tu écrire une lettre au Père Noël pour lui commander des jouets ? Oh oui, maman ! Mais je ne sais pas écrire. Ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à les dessiner. Tini s'installe avec son petit frère sur la table et dessine une jolie poupée. Toony, de son côté, est très fier de son dessin et le montre à Tini. Mais on dirait un gros cribouillage! J'espère que le Père Noël va comprendre ce que tu veux, Toony. Tini met les deux dessins dans une enveloppe et les donne à maman. Merci, ma chérie. Je vais la donner au facteur demain. Tini regarde son salon et devient toute triste. Maman, je crois que le Père Noël ne pourra pas passer chez nous. Pourquoi ? Nous n'avons pas de cheminée. Comment il va pouvoir entrer avec sa hotte ? Ne t'inquiète pas, le Père Noël est très fort. Il trouve toujours une solution. À ce moment-là, papa arrive dans le salon avec une grosse surprise. Le sapin. Comme il est beau et grand. Venez les enfants, allons le décorer. Maman ouvre un carton. À l'intérieur, il y a des boules et des guirlandes de toutes les couleurs. Viens, Toony, décorons ensemble le sapin. Il faut que ce soit le plus beau du monde pour remercier le Père Noël de sa visite. Les jours passent et le matin de Noël arrive enfin. Tini sort du lit et court chercher son petit frère. Sous le sapin, les enfants trouvent plein de paquets. Il y en a des gros, des petits, et il y a la poupée que Tini avait commandée. Maman, papa, vous aviez raison. Le Père Noël a lu ma lettre et il a réussi à rentrer chez nous pour déposer les paquets. Il a même compris les gribouillages de Toony. Mais il est vraiment trop fort. Merci petit papa Noël.